26 mai 2021, toujours. Donc je quitte Rochefort, où j'étais ému d'être, souvenir d'enfance. Et je continue ma route vers La Rochelle, petit. Aujourd'hui, je joue petit. Une amie m'a proposé sa terrasse ce soir à La Rochelle. Je vais pas dire non, elle n'est pas là, mais apparemment c'est ouvert. Et hier soir, j'ai rencontré, Et hier soir, j'avais un ami à Rochefort, un ami très cher, qui était de passage à Rochefort et qui m'a proposé de partager sa chambre d'hôtel. C'est vraiment adorable, donc je suis douché tout propre, tout frais, frais comme un gardon. Ça repart, mais petite journée aujourd'hui. J'approche à nouveau du pont transbordeur et on aperçoit derrière le pont que j'ai pris hier, forcément moins glamour. Un sacré truc quand même, hein. Ça ressemble à du Eiffel. Et donc le pont, le tronçon de pont se balade après avoir chargé les véhicules de chaque côté. Ils glissent sur les rails qui sont là-haut. Et ils peuvent apparemment le monter ou le descendre selon la marée, mais ils ne doivent pas le monter ou le descendre souvent. Et j'ai raté l'Hermione qui est passée ici hier. Je ne savais pas. Ça, c'est de la barrière. Et en plus, ça coûte pas cher. Là, il n'y a pas de commission avec les rondins de bois comme il y avait du côté de Bessières. Et ça marche très bien. Et oui, je progresse au milieu des coquelicots jaunes. Je suis très assorti. Et là, je déambule Fortaise, dans la lagune Rochefortaise, calmement. Après cette incursion à l'intérieur des terres, vers Rochefort, eh bien je retrouve la mer ou l'estuaire, peut-être est-ce l'estuaire de la Charente, je ne sais pas trop. De toute façon aujourd'hui ils ont piqué l'eau, donc c'est malin. Voilà, je voulais en avoir le cœur net, il y a un petit malin qui a retiré le bouchon d'évacuation et il n'y a plus d'eau. C'est malin. S'ils font ça dans un port en Méditerranée, ça va pas leur plaire. Mais ici, ils disent rien, c'est normal. Là, je suis à 10-15 km de La Rochelle. Et effectivement, la Vélodyssée longe bien la mer. Elle est pas belle, la vie ! Elle est pas belle, la vie ! Que de souvenirs ici aussi. Mon père venait faire des régates, je me souviens, on les voyait passer en bateau entre les deux tours. Ça remonte loin tout ça. Je me souviens aussi de Tabarly dans son port avec son père sur le bateau. J'ai même retrouvé les images d'époque. Terrasse ouverte, ça donne. Terrasse de La Rochelle. Ce soir, chez une amie, je me suis aménagé ma petite tente avec la bâche de protection. Et c'est super sympa.